Lundi 11 septembre 2017, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carbone capable pour une première sortie téléjournal pour semaine. Si là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente semaine en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Nous avons pas au principal point qui va venir pour faire essentiel téléjournal pour matin pour nous faire qu'on a, chambre députée a voté samedi 9 septembre 2017 là, sans modifier sans l'autre modification budget 2017-2018 là, avec Val 78 pour, 5 abstentions et 8 qui votaient contre. Office national d'identification voté démenti formel concernant l'information qui t'a fait quoi, citoyen t'a pris à l'aiguin pour payer 2500 goudes pour être capable de jouer une carte d'identification nationale. Là. Et l'actualité internationale, là, nous allons dans le pays les États-Unis pour nous faire qu'on a ouragan Irma frappé hier dimanche dans l'État Floride, dans le pays les États-Unis. Président américain Donald Trump a déjà décrété état catastrophe naturelle dans l'État Silla. C'est différent pour savoir qu'un pilote qui a fait pour faire social télévision. Dans la matinée, on a fait vite arrêter branché chez nous là. On a tenu un petit moment, ça prie pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. On a fait encore un peu souhaiter tout le monde excellente semaine en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. N'a pas rentré avec première information pour maintenant, pour nous faire qu'on a gouvernement présenté un bilan sur passage ouragan Irma dans le pays d'Haïti. Pas de monde qui mourit, mais de monde qui disparaît avec plusieurs dégâts matériels qui enregistrés. D'après information, et puis le premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui déjà annoncé ensemble disposition côté gouvernement pour mobiliser pour apporter aide à la victime. N'a pas vite suivre un bout d'intervention. Tout message de prévention que nous avons véhiculé, tel que déplacement de gré ou de force de la population, tout message que la presse a aidé nous bail, nous avons été fouillés. Et nous profiter de l'occasion pour remercier les membres du gouvernement, chapeau pour nous. Parce que nous connaissons que nous n'avons pas dormi pendant ces derniers jours. Il compte 2 h 03. La seule chose, c'est qu'on partit dans l'article 17 là, dans le budget, que ils ont corrigé, puisque ce n'est pas loi 2005 là, ce n'est pas ça le dit. Il n'est pas visé les gens qui ont une résidence fiscale à l'étranger, il n'est pas visé la diaspora, il est visé toute personne, et c'est peut-être ça que nous avons justement corrigé pour le reprendre sa loi à dire. Il y a une série de corrections qui fait côté où tu mets des décrets, c'est décret loi, côté où tu mets ton bail dans le nord, tu mets dans le sud. Donc nous allons faire toute correction pour les erreurs matérielles. Nous allons soumettre à la Chambre des députés, à qui lui-même bureau a gardé. Là, on est si vous le soumettre ou bien si pour lui-même et à partir de l'erreur matérielle, si vous le voyez l'aller. Habituellement, les erreurs matérielles, vous ne pouvez pas mettre au vote, mais la Chambre des députés a décidé. Et pour le modification, yo, même parce que son budget qui acheminer vers l'exécutif le plus tôt possible, puisque en général, changement qui arrive, c'est non seulement des changements majeurs, que la plupart des thèmes que Chambre députée a été voté, yo ratifié au niveau du Sénat. N'a pas rapprocié pour une fois qu'on a été annoncé la notitio, Chambre députée a voté samedi 9 septembre sans l'autre modification, budget 2017-2018 là, à qui on valait 78 votés pour, 8 votés contre, à 5 qui fait abstention. Nous prenons l'actualité internationale, l'agent qui a annoncé les différentes gratitudes. Nous prenons l'État Floride, puisque hier dimanche, l'État Floride a frappé avec un passage ouragan Irma et déjà a gagné 3 mounes qui ont perdu la vie. Le président américain Donald Trump a déjà annoncé état d'urgence, état de catastrophe naturelle. L'intercile n'a pas vite suivi un reportage avec Euronews pour plus de précision. L'ouragan Irma s'est abattu sur la Floride ce dimanche et remonte vers le nord, mais sa trajectoire déjoue les prévisions météo. À Fort Myers, des vents violents et des pluies torrentielles ont balayé la ville. Les rues ont été envahies par les eaux. Miami, elle, est méconnaissable. Le cyclone, rétrogradé en catégorie 2, souffle désormais à près de 175 km/h et a fait au moins 3 morts dans cet état ce week-end. Irma devait toucher la côte ouest de la Floride ce lundi matin et remonter vers le sud-ouest de la Géorgie dans l'après-midi. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle et devrait se rendre très vite sur place.
Les dégâts sont estimés à près de 290 milliards de dollars. À Naples, sur le littoral, plus encore que la furie des vents, les habitants redoutent la marée de tempête, une montée brusque du niveau de la mer. Les inondations pourraient se traduire par près de 5 mètres d'eau dans les rues. C'est avec la dernière information ça que je donne la cava pour jeudi, mais juste avant nous aller, nous rappelons le principal point de développer pour le matin. Chambre des députés a voté samedi 9 septembre 2017 là, sans l'autre modification budget 2017-2018 là, qui a eu un valet 78 qui votait pour, 8 qui fait qui votait contre, 5 qui fait abstention. Office national d'identification dépôté démenti formel concernant information qui t'a fait quoi citoyen que citoyen au pral payer 2500 goudes pour une carte d'identification nationale. Et dans l'actualité internationale, nous parlons dans le pays des États-Unis pour nous faire connaître l'ouragan Irma frappé hier dimanche là, État Floride dans le pays des États-Unis. Président américain Donald Trump a déjà déclaré état catastrophe naturelle. C'est dit ça ensemble, information ça y est, qui te fait essentiel pour matin. On a pas souhaité tout le monde passer une excellente journée, mais surtout, restez bon sur chaîne. Et puis, prochain rendez-vous avec Salle Nouvelle, c'est exactement midi. N'a pas cassé rendez-vous nous-mêmes dans la prochaine édition. D'ici là, très bonne semaine et surtout, très bonne suite de programme. Lundi 11 septembre 2017, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte pour nous capables pour une première sortie téléjournal pour semaine. Si là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente semaine en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. N'a pas bas au principal point qui va arriver pour faire essentiel le téléjournal là pour matin pour nous faire connaître. Chambre députée a voté samedi 9 septembre 2017 là sans modifier son lote modification budget 2017-2018 là avec un valet 78 pour 5 abstentions avec 8 qui votaient contre. Office national d'identification voté démenti formel concernant l'information qui t'a fait quoi citoyen t'a fait les gains pour payer 2500 goudes pour être capable de jouer une carte d'identification nationale là. Et l'actualité internationale là nous craignons dans le pays les États-Unis pour nous faire qu'on a ouragan Irma frappé hier dimanche dans l'État Floride dans le pays les États-Unis. Président américain Donald Trump a déjà décrété état catastrophe naturelle dans l'État Sila. C'est différent pour savoir qu'un pilote qui a fait pour faire social télévision. Dans la matinée, on a fait vite arrêter branché chez nous là. On a tenu un petit moment, ça ne prie pas déplacer. Merci parce que toujours été branché à la télévision nationale d'Haïti. On a pas souhaité tout le monde excellente semaine en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. On a pas rentré avec première information pour matin pour nous faire qu'on a gouvernement présenté un bilan sur passage ouragan Irma dans le pays d'Haïti. Pas de monde qui mourit, mais de monde qui disparaît avec plusieurs dégâts matériels qui enregistrés. D'après information, et puis le premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui déjà annoncé ensemble disposition côté gouvernement pour mobiliser pour la côté aide bail victimes. On a pas vite suivi un bout d'intervention. Tout message de prévention que nous t'ai véhiculé, tel que déplacement de gré ou de force de la population, tout message que la presse t'a aidé nous bail, je peux te fouiller. Et vous profitez de l'occasion pour remercier membres du gouvernement, chapeau pour nous. Parce que je connais que nous n'avons pas dormi pendant ces derniers jours. Les comptes 2 h 3 et réduit mon en erreur. La seule chose, c'est qu'on partit dans l'article 17 là, dans le budget, que ils ont corrigé puisque ce n'est pas loi 2005 là, ce n'est pas ça le dit. Il va viser les gens qui ont une résidence fiscale à l'étranger, il va viser la diaspora, il va viser toute personne, et c'est peut-être ça que nous avons justement corrigé pour reprendre sa loi à dire. Il y a une série de corrections qui fait côté de mettre décret, c'est décret loi, côté de mettre en bas dans le nord, de mettre dans le sud. Donc nous allons faire toute correction pour erreur matérielle, ça y est. Nous allons soumettre à la Chambre des députés, à qui lui-même bureau à garder. Là, qu'on est si vous le soumettez ou bien si pour lui-même et à partir de la matérielle, si vous le voyez l'aller. Habituellement, et la matérielle, vous ne pouvez pas mettre au vote, mais la Chambre des députés a décidé pour la modification, même parce que son budget qui pour acheminer vers l'exécutif le plus tôt possible, puisque en général, le changement qui arrive, c'est non seulement des changements majeurs, que la plupart de
thème que Chambre des députés a été voté et ratifié au niveau du Sénat. N'a pas à poursuivre pour une fois qu'on a été annoncé la notitio, Chambre députée a voté samedi 9 septembre sans l'autre modification, budget 2017-2018 là, à qui on valait 78 votés pour, 8 votés contre, à 5 qui fait abstention. Nous prenons l'actualité internationale, l'agent qui a annoncé les différentes gratitudes. Nous prenons l'État Floride, puisque hier dimanche, l'État Floride frappé avec un passage ouragan Irma et déjà gagné 3 mounes qui ont perdu la vie. Le président américain Donald Trump a déjà annoncé état d'urgence, état de catastrophe naturelle. L'intercile n'a pas vite suivi un reportage avec Euronews pour plus de précision. L'ouragan Irma s'est abattu sur la Floride ce dimanche et remonte vers le nord, mais sa trajectoire déjoue les prévisions météo. À Fort Myers, des vents violents et des pluies torrentielles ont balayé la ville. Les rues ont été envahies par les eaux. Miami, elle, est méconnaissable. Le cyclone, rétrogradé en catégorie 2, souffle désormais à près de 175 km/h et a fait au moins 3 morts dans cet état ce week-end. Irma devait toucher la côte ouest de la Floride ce lundi matin et remonter vers le sud-ouest de la Géorgie dans l'après-midi. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle et devrait se rendre très vite sur place. Les dégâts sont estimés à près de 290 milliards de dollars. À Naples, sur le littoral, plus encore que la furie des vents, les habitants redoutent la marée de tempête, une montée brusque du niveau de la mer. Les inondations pourraient se traduire par près de 5 mètres d'eau dans les rues. C'est avec la dernière information ça que je donne la cava pour jeudi, mais juste avant nous aller, nous rappelons le principal point de développer pour matin. Chambre députée a voté samedi 9 septembre 2017 là, sans l'autre modification budget 2017-2018 là, qui a eu valé 78 qui votaient pour, 8 qui votaient contre, 5 qui fait abstention. Office national d'identification dépôté démenti formel concernant information qui t'a fait quoi citoyen que citoyen au pral payer 2500 gourdes pour une carte d'identification nationale. Et dans l'actualité internationale, nous parlons dans le pays les États-Unis. Pour nous faire connaître, ouragan Irma frappé hier dimanche là, état Floride dans le pays les États-Unis. Président américain Donald Trump a déjà déclaré état catastrophe naturelle. C'est dit ça ensemble, information ça y est, qui te fait essentiel pour matin. On n'a pas souhaité tout le monde passer une excellente journée, mais surtout, restez bon sur chaîne. Et puis, prochain rendez-vous à quelle salle nouvelle là, c'est exactement midi. N'a pas cassé rendez-vous nous-mêmes dans la prochaine édition. D'ici là, très bonne semaine et surtout, très bonne suite de programme. Lundi 11 septembre 2017, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte pour nous capables pour une première sortie téléjournal pour semaine. Si là, d'ores et déjà, n'a pas souhaité tout le monde passer une excellente semaine en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. N'a pas bas au principal point qui va venir pour faire essentiel téléjournal là pour matin pour nous faire connaître. Chambre députée a voté samedi 9 septembre 2017 là sans modification l'autre modification budget 2017-2018 là avec yon valet 78 pour 5 abstentions avec 8 qui votaient contre. Office national d'identification voté démenti formel concernant l'information qui t'a fait quoi citoyen après les gains pour payer 2500 gourdes pour être capable de jouer une carte d'identification nationale. Et l'actualité internationale là, nous prenons dans le pays les États-Unis pour nous faire qu'on a ouragan Irma frappé hier dimanche dans l'État Floride dans le pays les États-Unis. Président américain Donald Trump a déjà décrété état catastrophe naturelle dans l'État Sila. C'est différent pour savoir qu'un pilote qui a bien pour faire essentiel télévision. La matinée, après Victor était branché chez nous, nous avons tenu un petit moment, ça ne prie pas de passer. Merci parce que toujours été branché à la télévision nationale d'Haïti. Alors, on connaît pas souhaité tout le monde une excellente semaine en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Nous avons rentré avec première information pour matin, pour nous faire qu'on a gouvernement présenté un bilan sur le passage ouragan Irma dans le pays d'Haïti. Pas de monde qui mourit, mais de monde qui disparaît avec plusieurs dégâts matériels qui enregistrés. D'après information, et puis le Premier ministre Jacques Guy Lafontan qui déjà annoncé ensemble disposition côté gouvernement Pégin pour mobiliser pour aller porter aide à les victimes. On a pas vite suivi un bout d'intervention. Tout message de prévention que nous avons véhiculé
tels que déplacement de gré ou de force de la population. Tout message que la presse t'a aidé nous bail, je peux te fouiller. Et vous profitez de l'occasion pour remercier membre gouvernement, chapeau pour nous. Parce que je connais que nous n'avons pas dormi pendant ces derniers jours, les comptes 2h03. Et réduit mon lieu en erreur. La seule chose, c'est qu'on partit dans l'article 17 là, dans le budget, que vous corrigez, puisque ce n'est pas loi 2005 là, ce n'est pas ça le dit. Il va viser les gens qui ont une résidence fiscale à l'étranger, il va viser la diaspora, il va viser toute personne, et c'est peut-être ça que nous avons justement corrigé pour le reprendre sa loi à dire. Donc, c'est une correction qui fait, côté où vous mettez décret, c'est décret loi, côté où vous mettez tombé dans le nord, vous mettez dans le sud. Donc, nous allons faire toute correction pour erreur matérielle, ça y est. Nous allons soumettre à la Chambre des députés, à qui lui-même, bureau à garder, là qu'on est si vous le soumettez, ou bien si pour lui-même. Et à partir de la matériel, si vous le voyez l'aller. Habituellement, et ouais, matériel, qu'on ne pas mettre au vote, mais la Chambre des députés a décidé pour le modification, même parce que son budget qui pour acheminer vers l'exécutif le plus tôt possible, puisque en général, changement qui arrive, c'est non seulement des changements majeurs, que la plupart des thèmes que la Chambre des députés a été voté, ils ont ratifié au niveau du Sénat. N'a pas à poursuivre pour une fois qu'on a été annoncé l'anatitio, chambre députée a voté samedi 9 septembre, sans l'autre modification, budget 2017-2018 là, à qui on valait 78 votés pour, 8 votés contre, à 5 qui fait abstention. Nous prenons l'actualité internationale, là, j'ai été annoncé dans différentes gratitudes. Nous prenons l'État Floride, puisque hier dimanche, l'État Floride a frappé avec un passage ouragan Irma. Et déjà, il y a trois personnes qui ont perdu la vie. Le président américain Donald Trump a déjà annoncé l'état d'urgence, état de catastrophe naturelle. L'intercile n'a pas vite suivi un reportage avec Euronews pour plus de précision. L'ouragan Irma s'est abattu sur la Floride ce dimanche et remonte vers le nord, mais sa trajectoire déjoue les prévisions météo. À Fort Myers, des vents violents et des pluies torrentielles ont balayé la ville. Les rues ont été envahies par les eaux. Miami, elle, est méconnaissable. Le cyclone, rétrogradé en catégorie 2, souffle désormais à près de 175 km/h et a fait au moins 3 morts dans cet état ce week-end. Irma devait toucher la côte ouest de la Floride ce lundi matin et remonter vers le sud-ouest de la Géorgie dans l'après-midi. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle et devrait se rendre très vite sur place. Les dégâts sont estimés à près de 290 milliards de dollars. À Naples, sur le littoral, plus encore que la furie des vents, les habitants redoutent la marée de tempête, une montée brusque du niveau de la mer. Les inondations pourraient se traduire par près de 5 mètres d'eau dans les rues. C'est avec la dernière information ça que je donne la cava pour jeudi, mais juste avant nous aller, nous rappelons le principal point de développé pour le matin. Chambre députée a voté samedi 9 septembre 2017 là, sans l'autre modification budget 2017-2018 là, qui ont valé 78 qui votaient pour, 8 qui votaient contre, 5 qui fait abstention. Office national d'identification dépôté démenti formel concernant information qui t'a fait quoi citoyen que citoyen au pral payer 2500 goudes pour une carte d'identification nationale. Et dans l'actualité internationale, nous sommes allés dans le pays des États-Unis pour nous faire connaître l'ouragan Irma frappé hier dimanche là, État Floride dans le pays des États-Unis. Le président américain Donald Trump a déjà déclaré état catastrophe naturelle. C'est dit ça ensemble, information ça y est, qui te fait essentiel pour matin. On a pas souhaité tout le monde passer une excellente journée, mais surtout, restez-vous sur la chaîne. Et puis, prochain rendez-vous avec la salle nouvelle là, c'est exactement midi. N'a pas cassé rendez-vous nous-mêmes dans la prochaine édition. D'ici là, très bonne semaine et surtout, très bonne suite de programme. Sur la unité.